Oui, nous sommes venus juste par cette initiative des Goma Traciers porter assistance à ces enfants que vous voyez ici, ces enfants qui vivaient auparavant dans la rue. Maintenant, ils étaient récupérés par une organisation que les Goma Traciers ont jugé bon de venir porter assistance. Vous voyez, sur l'initiative des organisateurs, on les a apporté les uniformes, il y a aussi à manger, il y a aussi les cartables. Et puis aussi la morale aussi, pour que demain, après demain, et après avoir se ressaisi, et aussi puisse aider les autres dans la vie ou dans l'avenir. Et nous allons continuer à faire les suivis, voir si parmi nos enfants que vous voyez ici, il y aura quand même ce qu'on pourrait peut-être récupérer demain ou après-demain. Je suis coordinatrice de l'organisation EFET, Action Interfaction des femmes entrepreneurs pour le développement. Nous travaillons dans la rééducation de jeunes filles mineures, surtout les jeunes filles qui sont en situation difficile et les jeunes filles qui se prostituent pour avoir à manger. Parmi elles, il y a des orphelines, de père et de mère, et ceux qui se sont décidés d'y aller. Pour le moment, nous avons 16 mineurs qui sont là et ceux qui sont déjà réunifiés avec leur famille. Et comme nous travaillons en collaboration avec la division des affaires sociales. Les défis que nous avons, c'est la nourriture à manger, la scolarisation. Et comme vous voyez, on a tout fait pour payer les loyers. On n'a pas vraiment. Nous avons besoin aussi de loyers ou bien d'avoir un espace parce qu'elles sont nombreuses. Les besoins sont là. Mais comme l'espace n'est pas là, nous sommes obligés de réduire un peu le nombre de bénéficiaires. En tout cas, nous remercions les Goma Traciers avec cet acte de charité. Que Dieu le bénisse. Et nous appelons en partenaire aux bailleurs de fonds. Nous travaillons à la prévention et protection. S'ils peuvent aussi nous appuyer, nous aurons des résultats escomptés. En tout cas, nous remercions les Goma Traciers et tout celui qui a un bon cœur de venir assister ses enfants. Tulikuwa tu pale tunaishi pale. Bosi hapa nje anatuambia tuishi pale juu kuna kwa tu manyumba. Mimi hatukukua pale na amani. Ya basoda. Na wengine tu babile bile bamuzamu kwa bana kia tuleta pale fujo. Njoo Mungu akitusaidia mama alija kikuya kitambia tukuye msantre. Na kuko fasi kwa nako nilikuwa pale nilikuwa ku study. Nilikuwa nkule kurompwe chuku domain ke wana nende pale miamisha fako desmen. Tulikuwa kutana na munchi na tuko apita tuangutana na basoda. Wanza tuambia tuwapatie makuta. Wanza tuambia batupitishe mbele wende tulala tunakatala. Sasa tunakatala babina kwa bengine wanaanza tupiga kutusumbua sumbua mbele tupate chakula tuone kwanza bose matakuya tena ankia tuona stable kwenda kanisa pangusa kama utarudia kwenye siku gani bantu acha makuta ndio tunapiga. Walitile chakula Mungu awabariki na wasaidie na wazidishi. Mimi nilikuwa bakia Miami. Miami tulikuwa naishi kule na warafiki yetu. Tunashinda tuko tunashindaka tunabakia kule chini tuko tu tunavuta na kucheza na warafiki yetu. Usiku tunakuwa la nje ya vile. Nisipenda nikuwe ministri.